Niki vandela ngobong na ndenge ba piki me. Niki menga vandela fostin na ndenge ba kanja. Beta ye fimbo di. En tout cas, message za kitoko, message za ya ko ya en tout cas ya ko naza ya ko sepela. Naza ya ko sepela, naza ya ko sepela. Bande konangai Fali asengi pardon, akomi ko senga pardon avant ba kende na audience. Niki fandela ngobo na ndenge ba piki me. Niki menga fandela foste na ndenge ya bakanja. Awa pena ekomi emorajo yo na ebite so na kosuka api. Na sepeli ndenge Fali pupa nzoka nde ape makape lokola biso. Nzoka nde Fali akende kepe toilette lokola biso. Nzoka nde Fali azana mai na matilada sokor. Je vous ai toujours dit, bande konanga, mes frères et sœurs, je vous ai toujours dit ceci. Quand une femme qui t'a donné les enfants, une femme qui s'est transformée d'une fille à une femme, elle a porté la grossesse pendant 9 mois. Elle a changé, elle a détruit son corps pour toi, elle a transformé son corps pour toi, Fali. Aujourd'hui, tu es où? Tu commences à demander pardon. Toi-même, tu as demandé pardon. Ça côté les demandes. Tu commences même à proposer de l'argent pour qu'on puisse clôturer avec les problèmes ici qui des tribunaux. Je t'avais dit quoi, Fali? Notre frère Fali, Faustin. Tu veux que je t'appelle avec quel nom? Quel nom tu veux que moi je t'appelle avec? Moi, je suis le tonton des affaires. Mouyomba Yabatoto, je vous ai toujours dit, moi, je suis toujours un prophète. Je vous avais dit avant qu'il avait demandé pardon. Les gens m'ont insulté. Aujourd'hui, là, qu'est-ce qui s'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? S'il n'a pas demandé pardon, il a demandé quoi? Il n'a pas demandé les fesses de quelqu'un. Il a demandé pardon. Oh, yeah, yeah, yeah. Ah, noko yabana. Oh, yezali ceci. En tout cas, mes frères qui est en Europe, que ce soit en Allemagne, Belgique, France, Italie, Grande-Bretagne, Irlande, partout en Europe, avec les Canadiens de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, Winnipeg, Nouvelle-Écosse, Toronto, Montréal, Ottawa, vous tous, je vous salue à grosso modo, mes chers amis. Même les Américains de Houston, Texas, partout là, je vous salue à grosso modo et au nom de l'amour. Je suis dans la joie, je suis dans la gaieté de voir qu'aujourd'hui là, Fali a reconnu ses erreurs. Et là, il a reconnu que Niki Menga c'est sa femme. Il a reconnu. Même s'il ne l'a pas dit comme ça, là, il a reconnu, il a demandé pardon. S'il a demandé pardon, c'est parce qu'il a reconnu ses erreurs. Il a reconnu ses erreurs. Aujourd'hui là, je ne sais pas si Niki Menga va accepter le pardon ou quoi. Mais moi j'ai le message, ça pour ça, message de la part d'une personne vraiment fiable. Il a demandé pardon. Il ne veut pas que les problèmes ici puissent aller très loin. Il veut qu'on finisse avec ces problèmes en famille. Qu'est-ce que je vous ai dit avant-hier? J'ai dit ceci aujourd'hui. Est-ce que Fali n'a pas de famille? Il n'y a pas de tontons, il n'y a pas de tantines. Vous qui dites toujours nous sommes des Bantous, nous sommes des Africains. Alors je vous ai dit, réglons cette affaire à l'Africaine. Les Africains, quand ils règlent les affaires, ils appellent les tantines, ils appellent des grands-parents, des oncles. Les gens s'assoient, ils parlent et trouvent une solution. C'est ce que je vous avais toujours proposé. Aujourd'hui, pourquoi Fali ne veut pas passer par le même chemin? C'est nous ici qui crions, réglons cette affaire à l'Africaine. Mais est-ce que Fali lui-même, il veut ça? Est-ce que Fali lui-même, il veut régler ça à l'Africaine? Pourquoi il a toujours fait des appels? Est-ce que ce sont tes amis, tes entourages-là qui vont régler les problèmes de ton foyer? N'importe quoi. Aujourd'hui là, maintenant, je suis dans la joie. Niki, fandela ngobo, nandenga ba piki me, fandela foste, nandenga ba piki me, lelo, toza ko mona, o voa, avec les yeux là, que Fali aussi peuvent aller à la toilette. Il a aussi du sang dans son corps, il a de l'eau dans son corps, Fali poupa, aigle. Il a reconnu ses erreurs. Quand il demande pardon, c'est parce qu'il a reconnu que Niki Menga, c'est un jour, transformé, c'est un jour, investi dans lui.
Niki s'est donné corps et âme dans sa vie. Aujourd'hui, la Fally a reconnu que Niki Menga, il porte ses enfants. Il est la maman de ses enfants. S'il demande pardon aujourd'hui, c'est parce qu'il reconnaît maintenant, il est retourné dans ce sens. Il connaît maintenant que Niki Menga, c'est une dame, c'est la maman de ses enfants. S'il demande pardon là, pour moi, je suis content, je suis honoré, je suis content même de voir que Fally Ipupa commence à retourner, à avoir ses sens et comprend qu'il a mal fait. S'il commence même à proposer de l'argent pour qu'on puisse finir les problèmes ici. Est-ce que c'est l'argent qui fait l'homme, Fally Ipupa? L'argent ne fait pas l'homme. L'argent ne fait pas l'homme. Tu peux donner à Niki 1 million, mais si tu n'es pas un beau papa, tu ne seras pas un beau papa. Mais Niki là, tu l'as confiné. Tu as confiné une femme pendant 17 ans. Tu l'as confiné. Même le pays, le monde a confiné les gens pendant quelques mois. Toi, tu as confiné une femme 17 ans dans un coin. Quand elle veut parler, tu frappes. Quand elle veut faire ceci, tu es toujours là. Tu l'as confiné. Aujourd'hui, par un miracle, par je ne sais quel miracle, par quel sort, quel Dieu, je ne sais pas, il a déconfiné. Cet esprit-là a déconfiné Niki Menga de là où elle était confinée. Et maintenant, elle veut la liberté de choix, liberté d'expression, liberté de parler. C'est toi là qui veux ouvrir ta bouche, dire que tais-toi, c'est elle qui est mauvaise. Elle n'est pas mauvaise. Non, elle n'est pas mauvaise. Elle n'est pas mauvaise. Elle est déconfinée. Elle a droit à l'air. Elle a droit à respirer. Elle a droit à ce qu'elle veut. C'est la maman de tes enfants. À la fin des comptes, c'est la maman de tes enfants. Elle t'a donné les enfants. Elle a saigné pour toi. Pour avoir Afala, celui qui ne connaît pas, pour avoir Afala, on saigne. Il y a des souffrances, il y a le risque de mourir. Elle a fait tout ça deux fois pour toi. Et le respect que tu lui donnes, la reconnaissance que tu donnes à la fille, à la dame là, c'est la dénigrer à public. Malheureusement, je ne sais pas si je pourrais dire malheureusement, l'eau est déjà tombée. L'eau est déjà tombée. Muto atambo la kanali ki abangaka, c'est Niki Menga. Elle a tous les problèmes dans ses mains. C'est à elle de gérer tout maintenant. Tu n'as aucun pouvoir sur Niki aujourd'hui là. Vous devez aller d'abord vous présenter. Vous devez d'abord vous présenter au tribunal. Les promesses de pardon là, ça devrait être avant que vous puissiez vous amener devant les juges. Ça devrait être avant d'aller accuser, avant des accusations inutiles là au tribunal. Aujourd'hui, c'est déjà trop tard. Vous devez aller vous présenter là-bas. C'est soit tu vas gagner, soit elle va gagner. La femme là, elle s'est décidée de parler. Alors, Niki Fally Ipupa, sois tellement prudent. Parce que quand une femme est fâchée là, quand une femme se fâche, demande-moi, quand une femme se fâche, surtout les femmes qui ne se fâchent pas, quand elles se fâchent, c'est couteau qu'elles jettent sur toi, hein, c'est couteau. Je vais jeter, je vais te jeter. Alors, moi, en tant que tonton Yabana, j'aime les enfants. J'aime vraiment qu'on protège les enfants. La reconnaissance de tes erreurs, Fally, ça fait que les enfants seront peut-être soulagés. C'est ça ma joie. Ma joie n'est pas dans Niki, ma joie est dans les enfants, puisque je suis l'oncle des enfants. Les enfants, quand ils seront soulagés, la maman sera soulagée. Et toi aussi, tu seras soulagé et tout sera en ordre, en harmonie. C'est ça ma joie, c'est ça mon souhait. Alors, Niki Menga, c'est à elle de décider. Soit elle va se déconfiner seule, soit elle va déconfiner tout le monde. Puisqu'il y a des gens qui sont impatients de voir Niki Menga sortir de cette crise. Alors, la sortie de crise de Niki Menga sera une... Ça sera comme se décharger des fardeaux. La liberté de Niki Menga, ça sera comme une décharge de fardeaux, qui est des fardeaux lourds sur beaucoup de gens. Puisque l'histoire de Niki Menga, ça... C'est un enseignement pur et simple. C'est un enseignement
à beaucoup de monde. Beaucoup de femmes sont confinées dans le monde ici. À partir de Nicky Menga, la défense de Nicky Menga sera une leçon, sera une façon de libération, sera une façon de libérer toutes les femmes que nous voyons ici. Alors Nicky Menga, ne te laisse pas tromper par tous les petits bandits, avec tous les messages, messages gentils que vous recevez ces derniers temps, parce qu'ils savent que tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir de détruire, tu as le pouvoir même de construire. C'est tout est entre tes mains. C'est à toi de décider. Mon français n'est pas beau, vous avez cité mon français, mais quand même mon message passe. Mon message arrive. C'est ça l'essentiel. Alors moi, je suis le tonton des affaires. Je vous aime. Vous qui m'avez écouté du début jusqu'à la fin, partagez la vidéo, likez la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous parce que la chaîne ici, c'est la chaîne de la vérité. Moi, je ne dis que de la vérité. À part cela, Fally, c'est notre frère. On ne peut pas aimer en aucun cas que Fally Poupa, sa carrière tombe comme ça. Nous devons aussi faire une en sorte que Fally continue à travailler pour qu'il puisse bien nourrir sa famille. Alors moi, ça c'est notre sujet. On est là et on reste ensemble à famille. Je vous aime trop et à la prochaine. Bye.